just going home. Have a late, late show. Comme les copains, j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un vlog puisque je pars à Bali, en Jakarta même, toute seule, en Indonésie. Je rejoins des potes là-bas. Pour ceux qui n'ont pas trop suivi les Breakup Diary et toute ma vie, j'étais en couple depuis 1 an et demi. Nous devions faire un road trip en Asie tout en suivant des cours en distance en Chine. On s'est séparés au bout 1 an et demi en Thaïlande. Et donc, pour de multiples raisons, notamment le fait que j'étais au bout de ma life, je n'allais vraiment pas bien mentalement et physiquement, je suis rentrée en France. Et après beaucoup d'épisodes de ma vie et beaucoup de remise en question de trucs comme ça et surtout des opportunités, j'ai décidé de repartir en Indonésie pour 2 mois et je vais vous emmener pour voilà, vous faire du contenu et tout. Il y aura donc des moments de joie, des moments un peu moins de joie, je pense, mais je pense que tous ces moments-là un peu plus compliqués, je les mettrai dans mes breakup diary peut-être. Je sais pas trop comment je vais faire, mais je vais faire pas mal de vlogs. Peut-être que ce sera pas hyper organisé parce que j'ai juste envie de pas me prendre la tête et de vous proposer du contenu sincère et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. J'ai ma valise ici qui n'est pas totalement prête. Faut que j'aille chercher des antibiotiques, enfin vraiment genre je suis à la ramasse. Demain ressemblait à hier et je me suis dit c'est plus la peine. Je veux pas tout miser sur une vie que j'aurais peut-être à 40 ans. Comme le mec d'Into the Wild avec un meilleur style quand même. Moi je suis parti sans dire je t'emmène. Me casser pas les... T'as pleuré comme 100 000 affaires, s'il te plaît, faut pas m'en vouloir. J'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Hello les gars, je vous retrouve, ça fait 3 jours qu'on est à Jakarta. Je suis désolée, j'ai pas mon micro, je sais pas où je l'ai mis. J'espère que je l'ai pas oublié, parce que c'est vraiment trop chiant si je l'ai oublié. Voilà, j'espère que le son sera mieux. Aujourd'hui, on est lundi. On s'en va à Bali, je suis arrivée il y a 2 jours, c'était trop cool. Là je suis dans ma petite chambre d'hôtel, les autres ils ont une toute chambre à côté. Et on a eu plein de galères avec les hôtels, vraiment, c'était des grosses galères mais c'est pas très grave. Et on est sortis les auteurs, c'était trop trop bien, on est allé dans pas mal de boîtes différentes, enfin, c'était trop trop cool. Et dans un bar dansant, et donc voilà, aujourd'hui on va à Bali, j'ai trop hâte. En vrai c'est trop bien, le mood il est cool, je suis grave contente, je profite de ouf. Juste la semaine pro, faut vraiment que je travaille, les autres ils sont en vacances, sauf que moi j'ai encore mes cours à distance. Et je dois trouver mon stage et tout, donc voilà. Et là je suis en train de faire ma valise, j'ai pris un petit café ce matin. Ça m'avait tellement manqué les cafés à emporter comme ça. Enfin c'est pas du tout écolo, donc j'en prends pas du tout tous les jours. Mais ça m'avait manqué de ouf, je suis contente. Allô mon amour, je suis dans votre cour. Donnez-moi le code du bâtiment mon amour. Je te ferai la cour, oui tous les jours. Je te ferai l'amour. Coucou les gars, je vous retrouve, on est à Ubud, on est 1 semaine après et je me suis dit que j'allais vous faire un petit récap de tout ce qu'on avait fait pendant la semaine parce que comme d'habitude j'ai filmé et j'ai pas expliqué en même temps et donc c'est trop trop dommage parce que j'avais plein de trucs à vous raconter. Bon, j'ai essayé de trouver un spot un peu sympa mais je ne sais pas si ça va être le mieux et j'ai noté tous les trucs qu'on a fait pendant la semaine et je vais vous faire un petit récapitulatif. En même temps je vous mettrai les plans de mon vlog. Donc on est arrivé à Jakarta, comme vous avez pu le voir, on a fait la fête et tout, c'était trop cool. Et ensuite le lundi on est allé à Bali, donc c'était trop trop bien. Enfin vraiment on était à Canggu, donc on est resté 1 semaine à Canggu. On était dans un hôtel très cool, je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'était vraiment pas cher, genre moins de 10€ par nuit. Et le premier soir on est sorti donc direct, YOLO. On devait pas sortir de base et finalement on est sorti et on a fini à 6h du mat sur la plage, donc c'était très très cool, franchement trop trop bien. C'est pas grave. Ensuite le lendemain, je vous avoue qu'on était crevés, donc on a un peu visité les alentours et tout, on a fait des trucs un peu chiants genre prendre les scooters et tout. Et ensuite on est allé dans un bar piscine, on s'est pas vraiment baigné, je vous mettrai évidemment toutes les adresses. C'était assez cool mais c'était pas non plus incroyable, genre je recommande genre pour faire un petit tour, pour prendre un verre mais peut-être pas pour manger parce que c'est vachement cher. Là nous sommes le bon matin, non il est 13h30 et on est en train de se balader, de découvrir Bali. C'est trop mignon, vraiment j'adore. Jamais sans vrai visage, fausse vérité, vraiment sous mirage, il te traite comme si t'es pas né du bon côté du rivage. Fuck, je veux plus m'asseoir à leur table tant que j'ai.
cacher ton corps dans mon paysage. Ensuite, le troisième jour, pareil, on s'est un peu baladé autour de Bali, on est allé sur les plages et on est allé donc à la boîte du deuxième jour. Voilà, c'était un peu la semaine sortie, là, on s'amuse et tout. Vous le verrez dans le prochain vlog, genre là, on n'est plus du tout dans le même mood, mais c'était trop trop bien. Et en fait, c'est une soirée genre open bar pour les filles, donc pendant 2 heures, on a pu boire ce qu'on voulait. Je me suis trop 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 amusée, vraiment, c'était trop bien. Donc ça me fait trop du bien de sortir, enfin, voilà, genre Bali, en vrai, il y a un peu de tout. Et donc, si vous voulez sortir, c'est trop trop cool. Donc voilà, c'était une soirée où on s'est bien amusé, on s'est ambiancé. Le jeudi, le jour d'après, on est allé à la plage et le soir, je suis allée au coucher de soleil avec les gars. Pour mes potes et tout, en fait, vous avez pas pu trop les voir dans mes vlogs de Thaïlande parce que je les ai jamais publiés vu que j'ai pas fait les montages, que je m'en sentais pas trop capable. Donc vous les verrez. Putain, je suis hyper blanche par contre là, l'horreur. J'essaierai de vous les montrer au max durant ces semaines, enfin genre pour que vous les, je sais pas, genre pour que vous les rencontriez et tout. Et voilà, je vous montrerai plus en détail qui c'est. Oh là là, sur la chaise, j'attends qu'on m'invite. Oh là là, le slow commence et j'attends la suite. Vers le spritz, dans ma vie, amertume, tu l'es vide. 3, 4. Donc là, on se retrouve sur une plage à Seminyak, au restaurant. En tout cas, Bali, c'est beau. Là, il y a plus des nuages, c'est chiant. Mais on se retrouve bientôt pour une nouvelle. Moi, je t'aime, filons vite, on se retrouve au paradis. Croisement de fil électrique, croisade de filles éclectiques, croissant au bord dans le lit, 400 amis sans le disque, quart d'heure américain, je connais déjà la fin. Et donc le vendredi, on est allé au marché, un petit marché le matin. À Changu, on était vraiment genre dans le centre, c'était trop cool. C'était un peu cher, mais ça allait encore, enfin un peu cher pour Bali, genre tu manges vraiment pour pas cher non plus. Ensuite, on est allé au Fins, je sais pas si vous voyez, pour ceux qui connaissent un peu Bali, mais en gros, c'est des sortes de piscines, un peu un club privé, comme il existe en France, sauf que là-bas, genre, ça te coûte beaucoup moins cher. Genre, faut pas prendre de table, petite astuce, sinon ça doit te payer super cher. Et si tu prends juste un verre ou même rien du tout, tu peux venir dans la piscine te baigner, enfin c'est trop bien. Donc nous, on a chillé un peu là-bas. En vrai, je m'ennuie un peu, genre pour tout vous avouer. Mais le soir, on est allé à une soirée dans une villa, donc chez des gens canadiens qu'on avait rencontrés, et on est sorti en boîte à la Favela cette fois-ci. C'était trop trop cool, vraiment très bonne boîte si vous venez à Bali. Comme vous pouvez le voir, on est pas mal sorti. Moi, tous les matins, je taffais mes cours, donc c'était un peu compliqué. J'ai un peu du mal à trouver un rythme parce que les gars, ils ont pas les mêmes cours que moi et ils étaient en vacances. Donc là, moi, j'essaie de gérer les cours, YouTube parce que c'est trop important pour moi, et en même temps sortir avec les autres et tout. Donc, je vous avoue que pour l'instant, c'est un peu compliqué cette semaine. Ça m'a un peu rappelé la Thaïlande. Donc j'espère que ça ira mieux la semaine d'après et dans le prochain vlog, parce que là, j'ai trop de retard sur mes vidéos. Ça fait 15 jours que j'ai pas publié, ça va pas du tout. 400 amis sans le disque, quart d'heure américain, je connais déjà la fin, pas besoin de ma vie. Ensuite, le dimanche, c'était l'anniversaire de Sarah, donc moi j'ai taffé le matin. Ensuite, on est allé au resto, un petit resto Instagrammable trop stylé. Après, on est allé voir un temple, en vrai un peu surcoté, pour tout vous avouer, genre au niveau des visites pour l'instant je préfère largement la Thaïlande. Et ensuite le soir, on est allé avec Sarah en boîte, mais on n'était pas trop dans le mood parce qu'on était vraiment fatigué, mais voilà, donc assez cool pareil. La tête dans les nuages, le petit garçon au premier rang, il fait du bruit avec sa bouche, on va devoir convoquer ses parents. Il fait ses devoirs, c'est bien, il a les notes qui suivent, mais j'aimerais bien qu'on classe et prenne un peu moins d'initiative. Polochon, ferme les yeux quelques minutes. Et ensuite, hier, je suis allée donc lundi à l'immigration et on s'est fait un peu couiller. Je sais même pas comment je vais faire, je sais même pas si je vais pouvoir rester sur le territoire parce que je veux rester 2 mois. Mais c'est une galère d'étendre son visa, j'ai trop le seum. Donc j'ai un peu gâché ma journée, et le soir, on est allé voir le coucher de soleil tous ensemble. Et on est allé dans un bar avec une petite soirée techno et on a retrouvé nos potes. Enfin, en fait, il y a pas mal de gens de l'ISEC, j'ai un pote des FKS et tout qui est là. Donc c'est trop trop cool parce que bah vraiment c'est un mood genre global, genre tout le monde est là, tout le monde est chill, donc c'est trop bien. Donc voilà, en tout cas de mon côté ça va mieux en ce moment, c'est trop cool, genre vraiment je profite à fond. Ce qui me manque, c'est vraiment de plus publier sur YouTube, de plus faire de photos, de plus faire du contenu. Mais là, comme vous le verrez dans le prochain vlog, on est à Ubud, donc Ubud c'est très très cool pour faire des sorties et tout. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. C'était le premier vlog, c'était peut-être un peu plus bancal parce que j'avais du mal à genre filmer et en même temps parler et tout, parce qu'on n'était pas dans une villa, donc j'avais pas d'endroit où filmer. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur Bali, sur Jakarta si vous voulez, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.